s'il te plaît. Fais nous du bien au travers de cette présence. Parce que la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et nous croyons de tout nos cœurs que ce moment est sous le contrôle de la puissance de Dieu. Nous croyons de tout notre cœur que tu répands une onction de guérison et le miracle de restauration. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta présence. Je m'abandonne entièrement. Utilise-moi et fais-nous du bien. Donne-moi la sagesse, l'intelligence nécessaire afin de faire connaître. Je m'abandonne entièrement. Je sois. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. On dit Amen. Amen. Il y a quelqu'un que Dieu te bénisse jusqu'à ta tête. Amen. Vous êtes ici à Péniel. Si c'est Péniel, la face de Dieu, la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et que Dieu vous visite sur la terre, dit Amen. Que Dieu pourvoie vos besoins. Amen. Que Dieu confonde vos ennemis. Amen. Que vos ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vous prie. Je devais me lever plus tôt. Et dans le pays. J'avais ajouté toujours des soucis de voiture. Mais ton vie est volée. Votre lac là, je suis en train de faire la voiture. Ah, la mienne, elle continue. La prière est assise, il faut les attendre, si vous voulez venir avec nous. Et on fait ça, on fait comme ça et ça. Des locations, il faut louer, il faut venir avec ça. C'est pas vraiment facile. Le problème, c'est trop d'obstacles, trop de difficultés. Oui, quand il est venu, le divot ici, il n'a pas. Tu penses pas 38 km. Mais il va bien arriver à nouveau, ça c'est grave, il y a beaucoup de choses jusqu'à ici. Et puis, on a eu deux semaines de pluie à Bonon. Là, mon cœur dit, il est chaud. Que Dieu nous aide. Dieu vous regarde, vous me donnez une voiture. Non, on va faire une. Vous regardez. On va venir. Ouais, parce que le ministère de Jésus était soutenu par les gens. Je dis des nouvelles. Nous, déjà, on est bien jusqu'à 6 mois, j'ai. Donc, 4K, c'est grave. Et que dans 4K, c'est un bouquet encore. Et qu'elle est sortie au rancho, j'ai fait patrouille partout. Et elle n'était pas prête. Je l'ai convaincu. Mais Dieu vous regarde en moi. Mais la compagnie n'a rien. Amen. N'aimez pas, ne soyez pas les gens qui veulent toujours recevoir. Ah, il y a un décalé. C'est ce qu'on veut amener dans la tête des Africains. Mais on n'a pas comme nous, c'est ça. C'est quand tu cherches toujours à recevoir. Il y a un décalé. C'est la peau. Le secret. Vous rentrez dans la prospérité, c'est le donner. Et quand nous, mais la compagnie. C'est le donner. Il y a remarqué ça en vous, c'est vrai, tout convaincant. Et derrière, maintenant, on va donner. Alors, allez. Moi, je donne, parce que je donne, que tu me bénis. Amen, il n'y a que la campagne. J'aime l'argent, j'aime l'argent que la vie. Et voilà, mais on va encore un peu d'argent. C'est que papa, l'argent, c'est donné. Et quand j'aime, j'aime avoir, je sais, tu veux avoir l'argent, donc je donne. Et moi, quand j'aime, il n'y a que je donne, Dieu me bénit. Et il n'y a que la campagne. Voilà, quand je donne, Dieu me bénit. Il gagne la campagne. C'est le secret, ça. Et mais bon. Quand je n'ai rien, je vais donner. Et il y a un homme qui il y a plus de donneurs de donner que de recevoir. Et le bonheur qu'on donne, quand on reçoit, ne reçoit pas, c'est là. Mais c'est comme donc il y a un homme. C'est Dieu qui ouvre les études des cieux. Et Dieu est béni. Amen. Vos cartes, là, si j'étais gentil, j'allais me donner une voiture. Je suis pour plus funéraire. Vous avant Crasso,
et pendant que la sauve, pendant mon séjour. On est perdu d'un coup. Ça, il y aura le discernement. Vous mettez la critique et parler parce qu'il y en a un. Moi, je sais que tu es avec moi. Je suis convaincu. Je sais que tous ceux qui se lèveront contre moi, vont tous tomber. Ils tomberont tous. Amen. Parce que le grand Israël, ils ne vont pas les aller. Combat celui Dieu qui crée sa tombe. La pointe pas pensée qu'il faisait la volonté de Dieu. En allant à Damas, au Damas, il a repris de son chemin. Amen. Amen. Ici nous donnons, nous délivrons, nous vous donnons à manger. Amen. Un autre ministère que vous découvrez. Un autre ministère que vous découvrez. C'est moi-même qui vais réhabiliter un propos du dispensaire. J'attends les personnes qui vont venir. On va réhabiliter vos dispensaires. Jusqu'aujourd'hui. Okay. Même la chefferie. Même le gars. La personne m'a appelé. Pourquoi il y a si j'allais dire, les gens vont venir vous aider. Les gens m'ont appelé, vous faire asseoir. On est là, dans un moment. Dans votre prière, dispensaire est fermé. Dans votre prière, ça a été délivré. À vous, on a dit à nous. On a César ce qui est à César. César, le même suffit où on doit venir réhabiliter votre dispensaire. Mais je ne cherche même pas le merci. On vient de dire 20 ans. Mais il faut y aller. Ça, c'est important. Donc, c'est intéressant quand vous voyez les femmes mourir ici. Les femmes meurent. C'est mon combat, ça. L'homme a droit à la vie. Tu ne peux pas voir l'homme en train de souffrir. C'est l'esprit de la sorcellerie. Parce qu'il y a la part de Dieu. Et puis il y a la part de l'homme. Dieu t'a délivré. Maintenant, toi, ce que tu peux faire, tu fais. Hein? C'est moi qui ai cherché les gens pour venir arranger vos dispensaires. Mais au moins merci, c'est important. Vous me faites me faire asseoir, vous dites c'est comment, c'est important. Mais quand je ne me sens pas impliqué dedans, ça ne motive pas d'encouragement. Je pense aussi aux autres personnes, je dis mais ça ne fait rien. Ils vont aider comme ça. Ils sont ingrats, on va faire comme ça. Ils ne sont pas gentils. On va les aider comme ça. C'est tout. Voici un peu le combat. Les gens même me veulent à Abidjan partout. Regardez les difficultés. Vos profs m'auraient donné encore l'argent. C'est pas vous qui me donnez ça. Je cherche. Je suis qui pour vous donner. C'est comme ça ici. Non, j'ai compris. C'est par amour que je fais. Voilà, je fais ça par amour. Égayer la jeunesse. Vous vous occupez pendant les vacances. Nous avons organisé, Jean Barrette, il y a une émotion posée, mais la version chrétienne, les choses de Dieu, les sketchs de la de préparer ça au futur. C'est la jeunesse. Cette jeunesse n'a pas Jésus-Christ, c'est la vie d'avoir un taureau. Parce que la Bible déclare que c'est avec Dieu que nous ferons des choses. Si l'on pas Dieu, dans les palais de l'homme, attendez, c'est que vous voulez que la drogue, quand il prend drogue, il va te frapper comme ça. Et il ne reste plus, il n'a plus l'envie parce que la Bible n'est pas encore son père et sa mère. Donc, nous sommes en train de faire le travail au sein de la jeunesse qui est la relève de demain. Mais blanc et blanc, pourquoi ça? Nous avons gagné. Nous en sommes. Et puis la croix de venir demain, ça nous dit. Mais on est subi que dans la maison, dans la famille, les enfants n'ont pas réussi. Non. Dieu t'a donné l'enfant, c'est Dieu. Dieu t'a donné l'enfant, toi ta part de l'éduquer. Oh, il ne va pas l'éduquer à ta place. Vous voulez tout
te mettre entre la main de Dieu. Ah, okay, bah, okay. Comme mes parents tu l'as. Mais est-ce que tu as si tu as mangé, c'est Dieu. À la fin, si tu as mangé, c'est Dieu. Tu as fait quelque chose, c'est Dieu. Mais tout ce que tu fais, tout Dieu fait. La vraie communion. Et Dieu a bien les rangs, c'est Dieu. Dieu veut nous mener à la communion. Amen. Alléluia, donc c'est la part de Dieu et la part des hommes. Pourquoi les connaissez la vie? Dieu doit les enfants. Là où il y a une vie. Et la part de Dieu. Amen. Je vais les éduquer. Et la part de moi. Sur le chemin de Dieu. La vie qui est bon. Quand ils auront Dieu dans leur cœur. Ils vont respecter. Ils seront bénis. Parce qu'on a la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et plus loin, la Bible dit que quelqu'un est sage, c'est lui qui sait comment se prendre. Amen. Pensez beaucoup à cette jeunesse. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Les vacances, nous allons faire. Une évangélisation. Une autre part. Pour ça. Avec cette histoire de ministre, Parce que moi, je suis trop technique.
Comme j'aime l'homme. Et il sait que c'est ici. Parce que Dieu l'a donné un sou de vie. Tu n'as pas venu le manger. Tu n'as pas venu le détruire. C'est le combat que je mène. Je suis en genoux, je prie pour vous. S'il te plaît, agis puissamment. Je suis vers 5h du matin, il y a une jeune fille qui avait gâté la vie de sa maman, elle a mis une nuit du Bermain, vous connaissez un peu l'histoire. Ah, elle vient. Le Bermain, monsieur, sa maman, son papa, elle est son maman, elle se suicide. Moi, c'est moi qui ai encore un pays. Je vous dis, pendant que je chassais le démon, le démon est parti dans la maison. Je vous dis, ici, je ne partais pas plus. Hier, c'est peut-être que je suis arrivé à Dibo. J'ai déposé le micro à 16h. Donc 17h, le temps de manger, 18h, j'ai tout oublié d'aller dans le lit. Quel temps de temps pour aller? Comme j'ai l'habitude, je me levais vers 3h du matin. J'ai fait une vision. 5h, j'ai appelé. Il a appelé. Je l'ai appelé à 5h, la femme. Il a appelé aussi. Et puis j'ai fait. Je leur ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, la nuit. Tout le monde, là, sur ma cour commune, on sentit que. Un truc est descendu sur le toit. J'ai dit, j'ai vu qu'ils sont venus prendre la fille. Vos frères qui sont de l'autre côté, jamais vous regardez. Leur encourage, je veux dire. Parce qu'il y a un autre évangile que les pasteurs de l'autre côté leur enseignent. C'est moi ce combat. Quand vous parlez en Afrique, tu vas, tes parents vont te manger. La nuit est comme d'où, mais jamais la vie. Tes passions ont fini dans l'avion. Il ne vient pas pourquoi. Oui, je vois. Si tu es chrétien, tu ne dois pas avoir peur de sorcier. Moi, c'est le message que vous enseignez. Quand vous avez Jésus-Christ comme sauveur, le sorcier ne peut rien contre vous. Vous avez mis votre Est-ce qu'on peut dire Amen? Le procès de voix humaine, c'est quoi? C'est ça. Vous connaissez ma bouche, mes yeux, ta voix, ta femme. C'est pas ma petite là. Amen. Ça va? Qu'est-ce que je vois devant? Pourquoi mon diplôme délivré là, c'est ça? C'est l'œuvre de la pauvreté. C'est ça que nous allons combattre. Oui, une fille, c'est qui comme ça là? Qui est un manchot? Oui, non, on me dit, on dit. La pauvreté envoie beaucoup de choses. Ça fait que les enfants sont livrés à eux. Alors, comment? On vend les vies. C'est fini. Il y a tous les problèmes. Nous, nos problèmes en Afrique, nos problèmes de vin. Alors, oui, on nous demande, il faut préserver. Nous, on s'en fout de préserver. Finis tout. Les appels, les gens viennent manger. Mon seul problème, c'est ça. C'est la faim, c'est la pauvreté. Si quand tu mets un enfant à l'école, tu ne vois pas les moyens de populariser l'enfant. Et que tous les moyens qu'il faut. Il n'y a pas que l'enfant ait un souci de manger. Et quand il y a un problème, le monsieur qui drague, qui propose un problème. C'est le sujet de ce qu'il y a. On a décidé d'aider nos mamans.
Nous ne m'attendons que souvent nos papas mais ils en tout a dit le coup. Donc comme les culaquiers. Oh, qu'est-ce que ça? Tu as combien d'enfants ici? Non, il est venu. Quel est le frère? On est venu. Elle est ma fille. Pourquoi elle est là? On est venu. La fille non, c'est venu. On est venu. Oui, c'est venu. Ah, c'est pas venu. Oui, c'est pas venu. C'est dangereux. Amen. Ça va? Ça va? Vous ne pouvez pas avoir mon mandat.
Mais David a compris que son Dieu était
Jehovah Shabbat. Amen. On lui parle de Jehovah Shabbat, il dit l'éternel, le Dieu de la paix. On le soigne du tout. C'est pour ça qu'il ne veut pas avoir peur. Mais voilà, nous sommes là. Il ne faut pas avoir peur. Tu es en train de faire un combat qu'on appelle le combat spirituel. Et tu as déjà la victoire. Dis amen. Si tu peux acclamer Jésus, tu as la victoire. Il parle mal de Dieu. Comment Paul, le Bible est parmi. Amen. Et les gens disent, écoute, tu ne connais ni la guerre, ni nous. Et tu es un enfant en Christ. Mais là, il y a un. Si tu vois une mouche qui là. Et là, il faut que tu bouches des anapènes. C'est quoi la paix de lui? En ce moment, quoi. Donc, avec tes voyages ici, tu perds la raison. Non, oui, c'est pas ici. Tu es un peu. Tu n'as rien mangé. Il y a un ami. Faut partir. On l'appelle Goliath. Goliath, allons-y. Il faut partir. Là, tu ne mouilles pas. Quand tu regardes, nous, on te bat. Ah, bah, c'est un gâteau. Moi, c'est un gâteau. C'est pas Goliath qui a frappé. Moi, c'est un gâteau. Nous, on le respecte. La quantité. Ah, gâteau. On va partir. On va partir. On va partir. On va partir. Tu es fatigué. On va partir. On va partir. On préfère qu'il ainsi. Gâteau. Là, tu es fatigué. On va partir. On va partir. On va partir. 40 jours. Il est plus chaud. Quand David a pris, il a dit non. Mais c'est pas le Dieu qui se connaît. Non, non, oui, je connais. Non, c'est Dieu. Amen. Son image. Et c'est pas du même. Parce que Dieu cherchait quelqu'un. Amen. D'accord, d'accord. Il cherche tous les gens. D'accord, d'accord. Pour faire son œuvre. D'accord, il dit la moisson est grande, les ouvriers sont nombreux. Oh, vous, la moisson est grande, aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui perdent dans les brousses. Oui, moi, il fallait changer de femme. Non, non, non. Parce que non, toi, non, il dit que Dieu m'a parlé, qu'il va avoir des rêves. Va demander, toi, c'est quoi? Toi, il est venu. Il est où? Il est venu. Quand tu as la situation de la vie, tu vas dire que tu es vaincu, c'est Dieu qui m'a parlé. Je m'en dis que moi, je ne suis pas Dieu qui t'a donné une révélation. D'accord, le vrai, c'est. Aujourd'hui, leur vision, c'est de voir Nyon. Moi, j'ai rien fait pour le coup. Allez, à Paris, là, c'est Dieu qui a parlé. Oh, non, mais dis-moi, il n'est plus dans le coup. Amen. Alors, David se lève. Il va y part. Il a demandé au roi. Le roi l'a réalisé jusqu'à un an. De la tête au pied. Est-ce que tu le connais? Il vient là. C'est Goliath. Oh, Goliath. Voici, 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 voici. Il est fait. Il est fait. Bon, on va pas aider. Allez, alors. On va t'habiller un peu. Allez, même pas bien. Non, tu vas habiller David. Et il voyait un David, esprit de mort sur lui. Ouais, David est en fou, comme on dit. Donc David est parti. Non, c'est trop lourd. Alors, on dit à moi, t'as dit, on ne pas donner la journée à l'époque. David dit qu'il veut front. La France. Hein? Parce que la vie dit qu'il n'est ni par la force. Dis amen. Il dit par l'intelligence. C'est gagnez-vous. C'est avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Il va renverser ses montagnes dans la vie. C'est la puissance de Dieu. C'est combat, là. Mais t'as voulu faire là-bas. Dis amen avec moi, dis amen. C'est pas toi le perdant. Mon amour, non, c'est pas toi. Mon amour. Non. Le courant d'eau. Donc après nous on prend l'eau qui symbolise la parole de Dieu. Ça sera la parole. Il va abuser, prendre combien de pierres, 5 pierres. On peut nous avoir la vie. Le symbole des lettres de Jésus-Christ, le nom de Jésus. Et ça sera le Dieu. 5 lettres. Le Dieu qui est le droit au front. Sur la base de la parole de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, va produire le bien et va libérer. Dis amen. Alléluia. Amen. Et là, Goliath, la France va déjà nous. Retenez, alors soyez bien. Amen. Amen. Vous savez, quand quelqu'un n'aime pas, il va déjà nous. Quand on va nous dire, vous savez, aimer. Ou à ma demandez au Seigneur de vous donner l'amour. Bien, d'accord. Ce qu'on appelle l'amour agapé. C'est un amour sans intérêt. Pour le monde, nous devons nous cherche à protéger. Protège-le. Amen. Celui qui t'aime pas, la paix de Dieu. Amen. Il verra tout pour te détruire. On est payé dans le ça, je vous demande, vous ne voulez pas. Nous voyons les gesteurs. C'est clair, hein. Non, non, non. Ça, c'est bouche. Bien dans le comportement. Bien. Il y
Mais je t'aime, tout le monde peut dire ça. Mais moi, je suis bon, on va parler comme ça. C'est qu'on est, on est toujours prêt à pardonner, on est toujours prêt à défendre la personne qu'on aime. C'est pas là? La violence, excusez-moi, la violence sexuelle, c'est différent de l'amour. Je l'aime, je l'aime vraiment. Tu es obligé de supporter. Tu es obligé de l'aider. Il a calme. Amen. C'est que Dieu dit à l'homme, c'est l'homme fort. Non, d'accord. L'être fort, Dieu dit à la femme, l'homme aime ta femme. Oh, comment non? Quel est nom? Tu m'as bien saisi? Aime ta femme. Quel est le nom? Quand il aimait l'amour, comment, il va s'embrasser. Il a oublié. C'est de la protéger. Quel est le nom? Parce qu'il est faible. On est très bien. Amen. Pour l'aimer, il va protéger. Je ne peux pas la maltraiter. C'est ça que je suis contre la polygamie. Non, moi, pour la vie, je ne peux pas faire pour des femmes. Le cœur que vous voyez là, pour la vie, je ne peux pas faire pour des femmes. Non, moi, c'est un sorcier. Le cœur que tu as là, pas pour deux hommes. Elle est comme ça. Elle est dans trois copains. Oh, les gars. 4, 3, 4. Moi, là, je me dis, voilà, 3. Elle a c'est moi dans ma bouche. Tu vas attendre tes trucs. Non, mais on va bien oublier. Comment toi, femme, tu as 3? Maman, tu as 8 ans. Des mains épaisses. Des mains épaisses. Des mains épaisses. Sorcière. Je vais oublier. Je ne sais pas si tu dis, amen. C'est ça, mon Dieu. Voilà, vous êtes évité. Non, il va te donner les yeux. Mais bien. Il y a quelqu'un qui bat son argent. Oh, un grand frère. Amen. Elle peut le prendre pour un gaou. On a vu la. Oh, je ne suis pas là pour lui, c'est son mari qui m'intéresse. Bon, là, on va aller. On est comme on a. Puis tu es tombé quand tu es plein d'enfants. Tu viens au village. Il veut qu'on a eu. Là, tu cherches l'église. Pas parole. Bon Dieu, toute ma vie là, vas-y ça. La meilleure pour vous. Les sorciers m'ont enfermé. Qu'est-ce que là? Vous avez raconté tout. Je parle que des sorciers. Des sorciers. Amen. Donc l'amour. Waouh. Amen. Vous savez, quand tu aimes véritablement Dieu, et quand on est d'accord, on est obligé d'aimer celui que tu vois en face. Et quand vous savez, Dieu donne les deux commandements. C'est le plus grand des commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de ton prochain comme toi-même. Dieu n'a pas dit plus que toi. Quand tu n'aimes pas que les sorciers, je sais que les sorciers, ce qu'ils font. Je sais que tu. Non, je ne veux pas que le sorcier tue l'autre. Il va regarder un peu. Moi, c'est mon combat. Quand je l'aime, je sais qu'il y a ce pouvoir. Tu m'as dit, je n'ai pas peur d'eux. Et c'est moi. Vous voulez le défendre. L'amour. Si vous constatez que vous vivez avec quelqu'un, vous vivez avec quelqu'un. C'est dans tous les points. Dans le foyer, dans la famille. Vous allez constater le monsieur qui ne parle pas bien de toi. Voilà, il ne t'a jamais aimé. On est de vous. Amen. Et si tu n'as pas aimé, il va te détruire. On est où? Il va te détruire. On est où? C'est ça qui demande l'amour à Dieu. Oui, suivez l'amour. Les choses n'est pas fait. Je suis tellement amour. Quand Judas est venu, il a dit bon. Il a donné même un baiser à Judas. Oh, Judas. Même à la croix, il dit pardon. Comment il est là? Donc l'amour. Et c'est dans le comportement. Amen. On est prêt toujours à protéger. Et quand même, on n'expose pas la personne qu'on a. Il n'y a pas un jamais. Celui qui vous expose, vous allez à jamais. On protège ce qu'on aime. Alléluia. Quand quelqu'un fait de la paix, on finit. Mais c'est fini.
Mais l'hypocrisie là, ça c'est cache-toi. Jésus ne va pas vous la faire. Amen. Qui va pas parler de toi, celui le premier à parler de toi. Il était content, ça y est. David l'a tué. Quand on a commencé à chanter, les femmes, leur bouche. Femmes, bouche des femmes. Elles commençaient à chanter. C'est merveilleux, ça y est. Mais c'est pas vrai, c'est vrai. Elles ont composé des chansons. Elles ont commencé à chanter. David, ça y est, tu 1000. David, tu 10 000. Imaginez-vous comment vous commencez à chanter, marcher, les femmes. Comme il n'aimait pas David. Quelque chose se provoque à lui. Quand quelqu'un ne t'aime pas, quand on parle de toi, le gros a dit non, non, non. Ce que vous dites là, c'est faux. Il parle de ce qui n'est pas bien. On présente des qualités. Lui vient présenter tous tes défauts que t'aimes. Même les gens qui n'aiment pas même là. Il t'a jamais dit. Non, mais si on ne t'avait pas invité. Il dit non, tu n'as pas là. Pourquoi il m'invite dedans? Tu sais pas, tu connais pas. Tu connais pas trop ces choses. Voici ça, voici ça. Et il est toujours à la richesse de choses. On va dire au niveau de lui. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un t'apporte dans le cœur, quand parle mal de toi, il te défend. On parle mal de toi, il te défend. Il est tout prêt à te défendre. Il s'en fout. De quoi que ce soit, il s'en fout. Tout ce qu'il a apporté dans le cœur, il le fait. La vie qui vient avec le monde, il adore. Il s'en fout de nos péchés. Ils s'en foutent de ce qu'on fait. Les tuyons, les gens. Les brigands. Les délinquants. Les drogués. Cherchez les femmes des gens. Voyons. Mais malgré ça, Dieu nous a aimés, qu'il a donné son fils. Il n'a pas tenu compte de tout ça. Mais il nous a aimés. Il nous a défendus à la croix. Il nous a même sauvés. Donc, la forme de sorcellerie, c'est la jalousie. Le sorcier, c'est la jalousie. C'est vrai qu'il ne m'aime pas en rêve. Il a un comportement. Quand tu le vois parler de quelqu'un, il ne parle pas bien. Quand vous voyez une personne comme ça, évitez les causeries. Éloignez-vous de lui. Parce que la Bible dit que celui qui n'aime pas son prochain est un meurtrier. Dans la vie des gens. Celui qui est la haine de son frère. Et quand tu es la haine, tu cherches comment le détruire. Tu feras tout pour le détruire. Toi, tu es la haine de la même chose. C'est pas l'Esprit Saint qui a toi. C'est un esprit du diable. C'est là où il y a l'Esprit de Dieu. L'amour va manifester dans ce cœur. Quand il y a la prison du diable là, le cœur de cette personne est caractérisé par la haine. Quand il y a l'amour de Dieu, on a peur même de faire du mal. On a peur même de critiquer. Amen. Mais c'est ça. Toujours prêt à parler. Toujours prêt. On ne sait pas apprécier. À vous, on n'apprécie jamais. C'est la sorcellerie. L'homme que vous voyez, il n'a qu'à être comme un tombant. Il a des qualités. Je connais un petit à Divo, c'est un plombier. Il a fini à plomberie. Mais son défaut, pour lui donner, pour lui dire tiens, va faire monnaie, il disparaît. Ça. Il devient un démon. Mais moi, le coup, après lui, il est bon. Je l'ai dit, il dit, j'ai peur, voilà, c'est ça. Laisse ça, il a compris, il dit, son argent juste ici. Deux fois, il m'a doublé. Quand il donne mon travail, je suis content. Sinon, si il regarde ses défauts là, ça va mourir. Donc il dit, mais c'est vrai qu'il a des défauts. Mais il est bon. Ça vous dit que quoi? L'homme n'a pas que des défauts. Mais il a aussi des qualités.
C'est ça. Donc il faut quand même apprécier l'homme. Mais quelqu'un qui n'apprécie pas, non, il est mauvais, non. Lui, l'homme que tu vois, il n'a qu'à comment. Il a aussi les qualités. C'est là qu'il est utile. Donc tout situe si c'est fait. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et donc il faut apprécier. Le béni est trop bon, il est bon même. Mais son défaut, donne-lui 2000, vous dites, prends-moi les gens. Je l'évangélise doucement. Il a compris. Il a les qualités, il a besoin de lui. Si il dit merde, à cause de 1000 francs. Le premier qui lui a envoyé, il n'a pas me satisfait. Donc c'est ça. L'amour nous amène à regarder les qualités. On ne regarde pas les défauts. Quelqu'un ne sait plus apprécier. C'est un sorcier. Mais oui, il fallait que Esaïe l'apprécie. Et après, en réalité, David a combattu, il a vaincu Goliath. Mais si est vrai, même si elle chante, il faut reconnaître. Pas pour ça mal. J'étais là ici. Il disait Goliath appelait ici. J'étais fatigué. Elle dit tu seras fatigué, tu vas partir. Non, c'est rien, moi je ne voyais pas. Mais si tu es fatigué, tu vas partir. Et puis le petit est venu. Il a défendu l'image de Dieu. Il faut accepter. Mais puis il y a des choses pour accepter, il faut apprécier. Quand quelqu'un ne sait plus apprécier, c'est un jaloux. Même dans les services. Mon collègue de service. La jalousie. Tu vas calomnier quelqu'un. Amen. Au lieu d'apprécier, tu fais tout pour le nuire. Pour le charge de service. Quand quelqu'un commence à mal parler d'une personne, on voit que lui, il est dangereux, il n'est pas bon. Amen. On dit, mais c'est vrai, il est comme ça, mais il est comme ça. On est sauvé. L'homme n'est pas qu'il a des qualités. Il a des qualités. Amen. Mais c'est ça. Il faut commencer à parler. C'est comme un esprit de la sorcellerie. Quand on commence à parler bien de quelqu'un, on commence à attaquer. On n'est pas content après. C'est la haine. Tu fais un tour. C'est de lui là où parler. Tu fais un tour. Quand quelqu'un fait ça, t'es un sorcier. Parce que les sorcelleries là, c'est mon Dieu, arrête. Parce qu'à l'aider, quand tu réfléchis, le dessous, j'avais les choses sont bien. Pourquoi apprécier? Oui, et puis pourquoi est-ce contre l'autre? Pourquoi? Amen. Donc c'est des choses à éviter. La sorcellerie. La jalousie. La haine. Amen. Donc évitez ça. C'est comme les jaloux. Dans nos chansons, on dit trop jaloux, tu deviens. Mais... Vous connaissez jalousie. C'est pas après de dire non, jalousie, comme. Non. Je vais t'expliquer les jalousies. Et d'abord, mon mari est trop jaloux. Et du cas, tu dis, voilà. Il faut vous protéger. Oh, bon, bon. Et tout est pris jalousie. Jalousie, mais les a dit. C'est trop. Amen. Vous n'êtes pas là. Vous blaguez, c'est facile. Vous mentir, vous parlez. Vous aimez quelqu'un qui ment. Quand quelqu'un dit la vérité, vous n'acceptez pas ça. Un menteur, c'est lui qui vous plaît. Quand tu mentis, tu es content. Donc le monsieur, tu te connais. Bonjour, madame. Je vais vous faire. Je peux vous donner 500 000 francs pour un commerce. Et donc, les horaires se dressent en vrai, je suis berger allemand. Je vous rappelle que berger allemand. Tu souris, c'est vrai. Tu souris le texto. 500 000 francs pour. Et j'ai bien l'âge. Moi, je pensais. C'est un faux sorcier. C'est comme ça. Le monsieur de Fontaine. Oh, je ne pas de vie. Mais vous n'êtes pas, vous vous blaguez tout d'abord. Allez, moi, comment il y a pas. Je dis, vas-y. Le monsieur dit, écoutez, on prend quand même toi. Il est malade. Allez, on va voir, je vais prendre un peu la peau de vie. Vous voyez, on va tout suivre. Et quand il y a un peu de vie. Ça, c'est ça. Le monsieur, quand il aime. Parce qu'il t'aime, tu protèges. Oh, mon Dieu. Pourquoi jalousie, tu protèges? Il n'y a pas de jalousie, visage, on se dérive.
Avant ne voit plus, non. Si tu peux l'appeler, il ne voit plus la chose. Et des gens qui il la suit au marché. C'est la confiance. Que deux personnes vivent ensemble. Tu peux plus confiance, faut chasser. Voilà. Mais je suis dit, voyez, il faut faire attention. Voyez les femmes là. Vous pouvez tomber dans quelque chose vite et puis vous ressaisir après. Aujourd'hui, il te protège. C'est pour ça qu'il faut tout dire à ton mari. Hein, il lui dit. Et si je le frappe? Mais oui, il faut dire. On dit, vous êtes maintenant une seule. Avec un problème. Il doit tout savoir. Il doit tout savoir. Si tu mets un portable, il court. Et je vais prendre mon portable, le monsieur, il court, c'est un fautif. Il doit pas avoir peur. Amen. Parce que tu es une petite qui s'est trompée en envoyant un message. C'est possible. Oui, c'est possible. Quand on se trompe, on envoie un message. Maman, parole, qui est elle? Elle est chez elle. Maintenant, après, c'est facilement. Amen. Moi, la parole est à la foi. On va se comprendre. A cacher quelque chose à la femme. Il n'a plus le père ou l'homme. Alléluia. Et cette jalousie-là. Parce que Dieu, on dit que Dieu est jaloux. Mais nous protège. Maintenant, si toi dans la maison, tu as deux pensées, tu as deux hommes chez moi. C'est un sorcier. La sorcière. Après, je vais avec quelqu'un. Si tu penses à quelqu'un qui est dehors. Les gars vont vous donner. Sorcière. Le feu sur ta bouche, je vous montre pour le bonheur. Amen. Dieu est jaloux parce qu'il nous protège. D'accord, on va dire, je vais pas dire. Mon mari est jaloux trop. Ça dépend de ce qu'il a fait un jour. Tu l'as montré, tu l'as montré, l'avocat. Je parle de toi, tu l'as montré. L'avocat, tu as montré ça. Tu l'as pas montré un jour. Donc, c'est ça qu'on peut faire attention. La première fois qu'il y a tout. Et puis, c'est la chose qu'on fait facilement. Donc, faites très attention. Quand vous vivez avec quelqu'un, ne pas mentir. Sois délivré de l'esprit du mensonge. On te parle d'un mensonge. Tu vas parler, il te croit plus. Amen. Ça dit tout la vérité. Je peux importe la vie. Peu importe. Je vous encourage. Si quelqu'un t'a mis dehors, il dit à ton mari. Que deux personnes marchent ensemble, c'est la confiance. On n'est pas caché ça par un mensonge. Vous devez dire la vérité. Vous devez parler sérieusement. Si tu n'es pas prêt à parler dans un foyer, il faut laisser. Les
Et quand on va dans un foyer, regarde, il y a des choses qu'on ne fait plus. Et quand on parle. Amen. Est-ce que ma sœur dit? Il y a des choses qu'on ne va plus faire. Et quand on parle. Bien. Et il va y avoir une complicité entre monsieur et madame. Et amen. Amen. Complicité. Vous savez, Dieu ne met pas n'importe qui ensemble. La grâce de Dieu, la grâce. L'homme mature, femme mature ensemble. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le marché à plein de belles femmes. Regardez la vie, c'est vrai. Mais le cœur est vilain. Le problème est vilain. Une femme qui a habité à mentir, mentir. Non, moi, on dit aujourd'hui. Quelqu'un croyait qu'il avait. Allez, prenons les écoles. Hein? J'ai présenté la fille de ma foyer qui m'a dit. Il est le yo-yo. Amen. Pour vous aider, si vous avez quelqu'un qui est sérieux, qui a décidé de vous avoir pris une bourse, vos anciens plus la table, on ne voit pas plus tes côtés pour les enfants. Mais voilà, dans une approche de Orange, là, il y a plein plus encore, c'est pas fini. Il n'y a rien qui a pour les enfants. Et puis le champ de contact. Moi, j'ai dit. Mais toi, t'as coupé lui, hein? Il va couper toi. Moi, la vérité. Il va t'envoyer des messages. Oh, non, non, non. Des messages à la table. Oh, je suis. Tu as coupé lui. Non, bien, non. Mais lui, il n'a pas coupé toi. La meilleure manière, vous avez une bonne relation, c'est de couper le contact. Il a dit que tu m'as appris ça. Quelqu'un qui veut que tu aies ton mari. Vous n'avez pas dit beaucoup de choses. Voilà, par exemple, il est en train de parler, il y a 3 messages, 4 messages. Moi, il me dit, oh, tu es un peu là. Amen. Déposer les gens, c'est qui on a la tête à ce service. Moi, je vais pardonner pour un message. Peut-être pas. Mais toi, tu. Non, mais c'est vrai, tu as pas le poser ta femme, elle veut soumis le message. Elle regarde soumis. Elle regarde soumis. La chose, il dit, je vous comprends. Demain, papa, là, il va pas. Je vous comprends. Il y a quelque chose dedans. Et là, par là, commence. Voilà. Tu as pas mis là ça. Qu'est-ce que tu cherches pas, mariage? Hein? Va nier. Tu crois, là, ça va te marier, lui. En comprenant le petit. Vous m'aidez chez lui. Vous êtes d'abord pour vous brouiller tout. Ça nous fait un peu. Voilà. Et tout le monde est riche. Faire le bon, c'est plus donner le contact à Jean. Vous êtes fini à donner le contact. Amen. On va faire piscinaire. Il n'y a pas de piscinaire derrière. Quelle maison a piqué à piscine? Amen. C'est pas toi même quand c'est piscinaire. C'est pas toi. On est des décisions en bas. C'est piscinaire derrière. C'est de moi. Non, c'est toi. C'est toi. Moi, c'est mon nom. À ça, de moi, tu n'es pas en vague de quoi. Tu viens, tu achètes quoi? Amen. Amen. Couper tous les contacts. C'est le secret. C'est le secret. Ben, c'est lui qui vient là. Il réfléchit. Est-ce que toi, tu vas le montrer qui a mis beurre dans vos cas? Ah, voyons, il y a un enfant là. Ton pays de femme, ça blesse son vrai là, dans le cœur. Demande à un garçon. C'est le voyou. Les gars, vous voyez, quelle femme trompe. Et puis, tu es tué pour ça. Comment on lit les cadeaux? Amen. 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 Souvent la part est bloquante. La première la part des hommes. Dieu te donne une opportunité. La première est à vous. Je donne quelqu'un. Maintenant, ça dépend de comment tu gères. Et pour une question de la situation. Là oui. Si tu la gères mal, tu peux que ça s'en va. Et il y a des choses qui ne reviennent pas comme ça. Oui, amen, oui, j'avais. Tu vas te rappeler, vous dites ça et j'ai donné, c'est toi qui a mangé. Oh, mais oui, amen, mais bon. Il n'est pas l'abusé, il a dit qu'il n'a rien à voir avec ton problème. On vient à voir le coup. Tu vas l'abuser, tu as dit ton nom. Je ne touche pas ton village. Tu cherches. Je ne suis pas allé dire bonjour à mon nom. Oui, 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 c'est lui. C'est ce jour-là, cassé mon mariage. C'est pas lui. Moi, il m'a manqué de sagesse. C'est ça qui forme à la sagesse. Amen. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on devait connaître. Ou un dernier pour avoir un bon foyer. Mais quand il arrive, il dit. Ne donne pas ton contact à n'importe qui. Parce que toi, tu n'as pas des intentions. Mais il va t'emmerder les testos. Moi, je ne vais pas échanger mes fiches. Non, que dit,
Maman, il y a deux numéros privés, je donne deux aux gens. Et les numéros, il est important, quand ça sonne, je regarde, je me couche, je couche. Mais les numéros, mon porte, quand ça sonne, je suis obligé de me coucher. Parce qu'il y a des emmerdeurs aussi. Même les garçons peuvent t'emmerder. Vous n'avez rien de ça? Si. Ta mère, on vous dit, c'est toi un peu. Et puis, t'emmerder dans ce cas jusqu'à fatiguer. Moi, je vais vous dire, je ne pas les contacts comme ça. Je voulais prendre une relation.